Le Pélican de Robert Desnos. Le capitaine Jonathan, alors âgé de 18 ans, capture un jour un pélican dans une île d'Extrême-Orient. Le pélican de Jonathan pond un matin un œuf tout blanc, d'où sort un autre pélican lui ressemblant étonnamment. Et ce deuxième pélican pond à son tour un œuf tout blanc, d'où sort un autre pélican qui en fait tout autant. Cela peut durer longtemps si l'on ne fait pas d'omelette avant.